les énigmes, car il aime les résoudre. Mais quand le mystère est insoluble, quand les réponses sont introuvables, quand les solutions sont loin de notre esprit cartésien, s'ouvrent alors les dossiers secrets du paranormal. Le diable est-il parmi nous ? L'incarnation du mal existe-t-elle, comme nous l'indiquent les différentes religions modernes ? Les dossiers secrets que nous ouvrons aujourd'hui prouveraient effectivement que des esprits démoniaques pourraient prendre possession de notre corps et de notre âme. Pourquoi, lorsqu'un prêtre ou un pasteur pratique un exorcisme, les victimes sont-elles aussi réactives ? Le diable serait-il présent ? Et comment une personne normale et saine commettrait des meurtres en série ? Pendant ces états de somnambulisme, pourrait-on parler de possession là aussi ? Le premier dossier que nous ouvrons est le plus célèbre des États-Unis, le sextuple meurtre d'Amityville. L'accusé Butch DeFeo a toujours affirmé qu'il était possédé cette nuit-là. Cette petite ville américaine de Long Island possède une bien sinistre renommée, Amityville. Certains affirment qu'il ne s'est rien passé ici. Et les membres de la famille concernée étant décédés ou injoignables, on ne connaîtra peut-être jamais la vérité. Mais l'histoire telle qu'on la raconte est la suivante. Par une belle journée de 1975, George Lutz, sa femme Cathy et les trois enfants de celle-ci, Daniel, Christopher et Missy, emménagent dans la maison de leurs rêves, au 112 Ocean Avenue, Amityville, État de New York. Ils transportent leurs affaires à l'intérieur. Les enfants et le Labrador découvrent le grand jardin. George et Cathy nagent dans le bonheur. Ils ont obtenu la maison au prix dérisoire de 80 000 dollars à cause de son passé macabre. 13 mois avant, 6 membres d'une même famille, les deux Féo, avaient été assassinés dans cette maison. Curieusement, ça ne gênait pas les Lutz. George Lutz, un ancien marine, assure à son épouse qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. George était un homme pragmatique. Il lui a dit « Les morts sont morts, ils ne peuvent rien nous faire ». Malgré tout, le couple demande à un prêtre, le père Pecoraro, de venir bénir la maison. À son arrivée, les Lutz ne sont pas là et le prêtre entre sans les attendre. Il bénit son étole et après avoir aspergé l'escalier d'eau bénite, il entre dans une petite pièce. C'est là que les événements vont basculer. Selon le livre de Jehanson, en entrant dans cette pièce qui était l'ancienne chambre de Mark et John DeFeo, il a senti une présence, une force. Et il a entendu quelqu'un dire « Allez-vous-en ». Allez-vous-en. Allez-vous-en. Le père Pecoraro ne parle pas de l'incident en Lutz, mais il leur conseille de ne pas utiliser cette pièce comme chambre à coucher. Ce n'est là que le début d'une série de phénomènes étranges. Quelques jours après l'emménagement, Cathy sent flotter un parfum de femme et a l'impression qu'on lui touche l'épaule. De son côté, pour une raison étrange, George se réveille régulièrement à 3h15 du matin avec le sentiment d'une présence dans la maison. Selon la médium Lorraine Warren, qui a étudié de près le récit des membres de la famille Lutz, c'est souvent comme cela que les phénomènes surnaturels commencent. Ça débute par petites touches, et vous pensez que vous devenez fou. Si vous n'y faites pas attention, ça s'atténue.
Mais plus vous en prenez acte, plus vous donnez du pouvoir à ces phénomènes. Au fil du temps, les incidents commencent à affecter toute la famille. Un soir, alors que Christopher et Daniel montent se coucher, ils voient une ombre noire les pourchasser dans l'escalier. Et quelques jours plus tard, George lit une histoire à Missy avant de la mettre au lit. Quand un vase posé sur une table s'envole et va s'écraser contre le mur. Missy était la plus vulnérable. C'est elle qui a donné corps au phénomène. Elle n'avait pas vraiment peur. C'était comme un jeu. Elle racontait qu'elle voyait une sorte de cochon. Elle lui faisait la conversation et le fauteuil à bascule se balançait tout seul. Peu à peu, les choses empirent. Les garçons sont contraints de jouer seuls, car leurs amis ont trop peur d'entrer dans la maison. Un matin, alors que Cathy fait le ménage dans le salon, une matière verte se met à couler sur le mur. Et quand Christopher va aux toilettes, la cuvette se remplit d'une boue noire. Enfin, une nuit, George se réveille pour découvrir que le corps de Cathy plane au-dessus du sol. Après cet incident et 28 jours de cauchemar, la famille quitte définitivement la maison. Quand ils sont enfin partis, la situation était devenue incontrôlable. Les Lutz ont toujours maintenu que leur récit était véridique. D'une certaine façon, ça a gâché toute leur vie. La maison d'Amityville était-elle imprégnée du drame qui l'avait frappée 13 mois plus tôt? Le 13 novembre 1974 était un soir comme les autres. Au Henry's Bar, rendez-vous favori de la jeunesse, la nuit ne fait que commencer. Mais la vie de la petite bourgade est sur le point de basculer. Ronald DeFeo, dit Butch, surgit dans le bar en état de choc. Il affirme qu'il a découvert les corps sans vie de ses parents. Plusieurs personnes, dont son meilleur ami Bobby Kelski, retournent avec lui au 112 Ocean Avenue. À l'étage, Bobby trouve les parents de Butch dans leur lit, allongés sur le ventre et abattus à bout portant. Mais le pire est à venir. Tous les frères et sœurs de Butch ont également été tués. Un autre de ses amis, Joey, resté avec lui au rez-de-chaussée, appelle la police. Au 112 Ocean Avenue. L'officier de police, Ken Greguski, aujourd'hui retraité, est le premier à arriver sur les lieux. Six meurtres la même nuit, c'était la pire affaire sur laquelle j'ai jamais été appelé. C'était affreux. Je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai vu. Que s'est-il passé? Butch DeFeo, seul survivant de la famille, devient rapidement le suspect numéro un. Et après enquête, les policiers finissent par l'inculper. Les indices qui nous ont menés à lui, ça a d'abord été un fusil Marlin de 35 mm. Le carton d'emballage vide était toujours dans sa chambre. Les plongeurs de la police ont retrouvé le fusil au bout du quai de Richmond Avenue, ainsi que les vêtements pleins de sang appartenant à Butch. Un an plus tard, Butch est reconnu coupable des 6 meurtres et condamné à 6 peines de prison à vie.
Amityville est devenu synonyme de l'une des pires affaires de meurtre de Long Island. Pourtant, Butch affirme qu'il n'a pas agi seul. Comment un seul homme a-t-il pu tuer 6 personnes avec un fusil de 35 mm? Ça fait beaucoup de bruit. Comment se fait-il que personne n'ait eu le temps de s'enfuir? C'est difficile à croire. Quoi qu'il en soit, Cathy et George Lutz sont convaincus que ce terrible fait divers est à l'origine des phénomènes étranges qui se produisent dans la maison. Pour vérifier leur théorie, ils font venir un groupe d'enquêteurs paranormaux et de journalistes. Lorraine Warren et son mari Ed font partie du groupe de 9 personnes qui vont passer une nuit d'angoisse au 112 Ocean Avenue. À ce moment-là, c'était juste une affaire comme les autres. Dès qu'elle pénètre dans la maison, la médium Lorraine est assaillie par des visions d'horreur. C'était comme le mal personnifié. C'était vraiment ça. Selon elle, il y a une explication au fait que les deux féaux soient tous restés endormis pendant que Butch commettait son carnage. Je pense que la famille de Féo se trouvait peut-être dans ce qu'on appelle un état de fantomanie, une paralysie psychique, provoquée par l'activité des esprits. Fantomanie ou présence d'un complice? Pour Lorraine Warren, pas de doute. Les événements décrits par les Lutz au 112 Ocean Avenue ont réellement eu lieu. Je ne pense pas qu'elle était hantée. Je sais qu'elle était hantée. C'est la maison la plus hantée du monde. Se pourrait-il que la prétendue maison du diable ne soit qu'une supercherie minutieusement orchestrée? Aujourd'hui, Amityville est toujours célèbre pour une chose et une seule. La maison la plus hantée d'Amérique. Depuis que le cinéma s'est emparé de l'affaire, Ocean Avenue est régulièrement envahi par un flot de curieux. Aux grandes dames des résidents. Laissez-les tranquilles! Mais dans cette petite bourgade, plus personne ne croit à la thèse de la maison hantée. Pour moi, c'est une arnaque, c'est malhonnête. C'est un canular. Ces gens exploitent le malheur des autres. C'est un tissu d'honnerie, cette histoire de fantômes et de cochons. Lors de mes recherches, j'ai découvert que le livre de Jeronson et tout ce qui s'est greffé là-dessus avait une double origine. 1. La ligne de défense adoptée par Butch DeFeo. 2. Un coup pour faire de l'argent. Les Lutz et l'avocat de Butch DeFeo, William Weber, étaient peut-être de mèche. La défense s'est fondée sur des preuves solides. Selon une interview donnée par Weber au magazine People en septembre 1979, les époux Lutz et lui-même se sont mis d'accord pour travailler ensemble à un livre sur l'affaire DeFeo. Les Lutz devaient prétendre que la maison était hantée, pour faire croire que Butch DeFeo était possédé au moment des meurtres. L'histoire aurait donc été inventée pour que Butch obtienne un nouveau procès. Les Lutz, eux, allaient pouvoir purger une hypothèque qu'ils avaient du mal à lever et toucher les royalties sur la vente du livre de Jeronson. Les Lutz ont travaillé avec William Weber pour recueillir les informations, monter la supercherie et ainsi de suite. Weber affirme qu'il s'est associé avec les Lutz pour le livre, mais que ce n'était pas censé être une histoire réelle. Il dit pratiquement depuis le début que c'est une supercherie. Rien n'est vrai. Amityville est une histoire fabriquée de toutes pièces. Depuis, les Lutz sont morts. Mais ils ont toujours affirmé que les incidents avaient bien eu lieu. Lorraine Warren les défend farouchement. There was no inkling in
Rien n'indiquait que les Lutz avaient exagéré ce qui s'était passé dans leur maison. Après s'être enfuis, ils ont tout perdu. Ils n'ont jamais gagné d'argent, pas un sou. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Quand j'ai interviewé George Lutz, il a admis avoir gagné environ 400 000 dollars avec le premier livre et le film. Je ne sais pas ce qui les a poussés à faire leur valise. Il pourrait y avoir une centaine d'explications, mais c'était certainement pas parce que la maison était hantée. Et le père Pecoraro, ce qu'il a vécu au 112 Ocean Avenue, semblait corroborer l'histoire des Lutz. Le père Pecoraro est mort, mais d'après les interviews qu'il a données, il semble que le livre de Jay Hansen présente une version inexacte des choses. L'Église catholique a déclaré que les événements relatés dans ce livre n'avaient jamais eu lieu. Les phénomènes surnaturels tenaient donc plus de la fiction que de la réalité. Mais qu'en est-il des meurtres ? Le rapport officiel rejette toute la culpabilité sur Butch DeFeo. Après 3 ans d'enquête, j'en suis arrivé à une conclusion différente. J'ai découvert que Butch DeFeo avait des complices, notamment sa sœur Dawn. Ils se sont mis d'accord pour tuer leurs parents. Le père était extrêmement brutal, il devait faire ça pour se libérer de lui. Selon Rick Ozuna, après avoir abattu ses parents à 3h15 du matin, Butch aurait quitté la maison avec un troisième complice. Lorsqu'il est revenu, il aurait découvert que Dawn avait assassiné ses autres frères et sœurs. Alors, il l'aurait tué à son tour. Butch était le seul survivant et tout lui est retombé dessus. Aujourd'hui encore, impossible de savoir si Butch a dit la vérité. Avez-vous tué votre sœur, Alison DeFeo ? Non, monsieur. Avez-vous tué votre frère, Mark DeFeo ? Non, monsieur. Mais l'idée selon laquelle ces actes lui ont été dictés par le diable relève de la fiction. Les voix, la possession, c'était une invention pour vendre des livres et des films. Amityville, la maison du diable. Quoi qu'il en soit, l'histoire d'Amityville a inspiré 9 longs métrages qui ont rapporté des centaines de millions de dollars. Le livre de Jay Hansen se serait vendu à 10 millions d'exemplaires. Le prochain dossier secret ressemble au précédent. Une série de meurtres a eu lieu. L'accusé clame son innocence. En effet, il affirme avoir commis ses crimes en état de somnambulisme. Cela pourrait-il être vrai ? Dans ce cas également, nous pourrions aussi parler de possession. Lady Macbeth, l'une des somnambules les plus tristement célèbres, se lave les mains de façon obsessionnelle pour effacer sa culpabilité. Va-t'en, maudite tâche. Va-t'en, te dis-je. Alors peut-on réellement tuer tout en dormant sans s'en rendre compte ? Dans certaines affaires, la justice a répondu oui. Et aujourd'hui, le somnambulisme peut être invoqué par un avocat dans des dossiers criminels. Invoquer le somnambulisme correspond à la tendance de notre société à vouloir limiter la responsabilité personnelle. Il est difficile de croire qu'on puisse commettre un acte de violence sans se réveiller. C'est ça le somnambulisme. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne se réveillent pas au cours de ces actes de violence. Ça a été mis en évidence par la recherche. Ils peuvent se couper, se blesser. Ils ne sentent rien. Rien ne les fait reprendre conscience. Ils restent dans cet état de somnambulisme. Le 23 mai 1987, Toronto. Kenneth Parks, 23 ans, s'endort devant la télévision. Marié et père de famille,
le jeune homme a des antécédents de somnambulisme. Cette nuit-là, il enfile ses baskets et s'installe au volant de sa voiture. Respectant la signalisation, il progresse à travers la ville endormie et parcourt plus de 20 km. Il se gare, prend le démonte-pneus dans son coffre et pénètre dans la maison de ses beaux-parents. Il traîne sa belle-mère hors de son lit et l'agresse violemment. Il la frappe à mort avec le démonte-pneus. Son beau-père tente en vain de s'interposer. Parks tente de l'étrangler, manquant de le tuer lui aussi. L'homme affirme n'avoir repris ses esprits qu'au poste de police, où il a déclaré en fixant ses paumes couvertes de sang « Je crois que j'ai tué des gens. Regardez mes mains. » C'est typique du somnambule. Il ne se souvenait pas de l'épisode. Il a réalisé qu'il s'était passé quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Et il s'est réveillé au moment où il retournait se coucher. Au procès, la défense tente de prouver que Kenneth Parks est atteint de parasomnie, un état se traduisant par des actions involontaires au cours du sommeil. On lui pose une série de questions souvent posées dans le cas où l'accusé plaide le somnambulisme. L'accusé a-t-il des antécédents de somnambulisme? Avait-il un mobile? A-t-il essayé de dissimuler les faits ou n'a-t-il aucun souvenir du crime? Parks affirme ne se souvenir de rien. Pourtant, le fait qu'il ait roulé pendant 20 km joue contre lui. Comment a-t-il pu conduire si longtemps en passant les vitesses et en respectant les feux sans se réveiller? Tous ces actes sont complexes et beaucoup estiment qu'il n'a pas pu conduire en dormant. Les somnambules accomplissent généralement des gestes plus simples. Ils s'habillent, ils déplacent des objets, ils marchent. Pas des choses qui font intervenir la pensée cognitive. Pourtant, les spécialistes du sommeil l'affirment. Les somnambules peuvent accomplir des tâches complexes. On a vu des somnambules monter à cheval, conduire une voiture ou essayer de piloter un hélicoptère. Ils ont généralement un comportement en boucle. Ils sortent de leur lit, accomplissent une tâche, puis retournent au lit et se rendorment. Ken Parks a bel et bien des antécédents de somnambulisme et a agi sans mobile apparent. Sa belle-mère lui avait même donné le surnom affectueux de « gentil géant ». Mais il a un vice, les jeux d'argent. Cela lui a valu d'être licencié, et il devait annoncer la chose à ses beaux-parents le lendemain. Les aurait-il tués pour éviter une confrontation gênante? Le jury le déclare non coupable, ayant agi lors d'une crise de somnambulisme. Kenneth Parks ressort libre du tribunal. Une question morale se pose. Doit-on innocenter une personne ayant provoqué un décès par une suite complexe d'actions pour la simple raison qu'elle a agi en dormant? Le somnambulisme a été plaidé dans une vingtaine d'affaires de meurtre, dont 5 au moins se sont soldées par un acquittement. La première remonte à 1846. Maria Bickford, une prostituée de Boston, est sauvagement assassinée par son amant Albert Tyrell. Après son crime, Albert Tyrell met le feu à la maison close où travaillait Maria. Il dit avoir agi lors d'une crise de somnambulisme et il est acquitté. La chose se reproduit en 1981 à Scottsdale, en Arizona. Steven Steinberg donne 26 coups de couteau à sa femme, puis déclare à la police que le crime a été commis par un cambrioleur. Il sera déclaré non coupable pour cause de folie temporaire. Ce jugement marque un tournant. Dès lors, le somnambulisme sera invoqué comme moyen de défense dans les affaires criminelles, et ce, un peu partout dans le monde.
C'est quelques années après l'affaire Steinberg que Kenneth Parks s'est acquitté au Canada. En Angleterre, la première affaire de ce type remonte à 2003. Jules Lowe, 32 ans, affirme qu'il était endormi lorsqu'il a battu son père à mort. Jules Lowe n'a pas eu une vie facile. Sa mère s'est suicidée quand il avait 2 ans. Et son frère a fait de même en 1998. Il est donc resté seul avec son père Eddie, dont il se disait proche. Un soir, en octobre 2003, ils vont au pub. La seconde femme d'Eddie est morte quelques temps auparavant. Et les deux hommes veulent se changer les idées. Après avoir bu plusieurs verres au bar, ils rentrent et continuent à boire. Le lendemain matin, à son réveil, Lowe retrouve son père battu à mort dans leur allée. Il porte 90 traces de coups. Jules affirme ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. En état d'ivresse ou en crise de somnambulisme, il s'est, semble-t-il, levé et a brusquement attaqué son père. Il l'a jeté au sol, puis bourré de coups de pied. Le vieil homme a tenté de fuir, mais son fils l'a assommé avec une chaise. Puis, il est retourné se coucher, apparemment inconscient de ses actes. Bien qu'il se dise horrifié par le meurtre sauvage de son père, Lowe rejette toute responsabilité. Il affirme qu'il devait être en état de somnambulisme. Avant le procès, Lowe est envoyé au Centre d'études du sommeil de Londres, où le docteur Irshad Ibrahim le soumet à un polysomnogramme. D'après les antécédents cliniques et familiaux et les résultats de l'examen, on a conclu qu'il avait agi lors d'une crise. Ce comportement tout à fait inhabituel de sa part confirmait l'idée qu'il dormait lorsqu'il a commis ce meurtre. Mais Jules Lowe, était-il réellement endormi ou s'agissait-il d'une dispute d'ivrogne? Attention, quand on est en état d'ébriété avancée, ça ne veut pas dire qu'on dort. Jules Lowe et Kenneth Parks ont-ils été acquittés à tort? Lorsque le jugement repose sur un trouble du sommeil, la frontière entre condamnation et acquittement est étroite. En l'absence de témoins, il aurait été difficile pour le jury de rendre un verdict de culpabilité. Mais est-il possible de tuer quelqu'un dans son sommeil? Y aurait-il pu avoir d'autres explications à ces actes de violence? Dans l'imagerie populaire, le somnambulisme est souvent perçu comme un sujet de plaisanterie. Les somnambules commettent généralement des actes inoffensifs, dépourvus de sens et qui prêtent à rire. Mon frère était somnambule quand il était petit. Une nuit, ma mère a entendu du bruit. Il essayait de descendre par la trappe à linge sale. Je me suis levée à 11h du soir. Mon père regardait la télé et il m'a surprise dans la cuisine, accroupie au-dessus du lave-vaisselle, le pyjama baissé. Elle parlait de shopping ou de chaussures comme si elle faisait les magasins dans son sommeil. C'était drôle. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'un meurtre, même les personnes accoutumées au phénomène sont souvent sceptiques. Ça, c'est dans les romans. Je ne sais pas, c'est difficile à croire. Plusieurs aspects dans ces affaires me paraissent vraiment douteux. Qu'en pensent les scientifiques? La science du sommeil peut-elle faire la lumière sur la validité de cet argument de défense? Beaucoup de gens croient qu'un somnambule vit ses rêves, un peu comme un chien chassant des lapins dans son sommeil.
Pourtant, l'une des premières découvertes des chercheurs montre que les rêves n'ont quasiment aucun rapport avec ce phénomène. Les rêves interviennent généralement dans la phase de sommeil dit paradoxal. Ils impliquent souvent les désirs les plus fous, de l'action, voire du danger. De quoi nous donner envie de bondir de notre lit. Mais le corps humain comporte un mécanisme ingénieux qui empêche le passage à l'acte. Au cours du sommeil paradoxal, lorsque la partie supérieure du cerveau, le siège de l'imagination, s'active, un interrupteur interne situé dans la région du tronc cérébral paralyse le corps. On peut ainsi avoir une activité onirique intense tout en restant physiquement immobile. Chez certaines personnes, cet interrupteur ne fonctionne pas parfaitement, ce qui peut être dangereux. Chez les gens qui ont un trouble du sommeil paradoxal, la paralysie n'intervient pas. Donc quand ils se mettent à rêver, ils peuvent vivre physiquement leur rêve. Par exemple, si quelqu'un rêve qu'il joue au foot et qu'il veut intercepter le ballon, il peut sauter du lit pour l'attraper et il se réveille en heurtant le sol. Les troubles du sommeil paradoxal peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves. Parfois, le dormeur rêve qu'on l'attaque et s'en prend à la personne qui dort à ses côtés. Mais qu'en est-il des vrais somnambules, capables de comportements très complexes ? On a ici affaire à un type de sommeil très différent qui reste en grande partie une énigme pour la science. Il s'agit des phases précédant le sommeil paradoxal. Le fait de marcher, parler, manger, avoir des relations sexuelles ou tout simplement grincer des dents en dormant constitue diverses formes de parasomnie. Des actes involontaires commis durant le sommeil. Mais peut-on réellement tuer dans son sommeil sans se réveiller ? Certaines personnes ayant commis des meurtres atroces ont été acquittées en plaidant le somnambulisme. Mais l'argument ne marche pas à tous les coups. L'affaire Scott Fallater a divisé les communautés juridiques et scientifiques. Le drame s'est déroulé à Phoenix, en Arizona, en janvier 1997. Scott Fallater, ingénieur et prêtre mormon, frappe sa femme Yarmila 44 fois avec un couteau de chasse avant de la noyer dans la piscine familiale. Son voisin est témoin de la noyade. Il n'y a donc aucun doute quant à l'auteur du crime. Mais Fallater a toujours affirmé avoir agi en état de somnambulisme, car jamais il n'aurait intentionnellement tué son épouse, son seul et unique amour depuis le lycée. L'avocat de Fallater, Michael Kimmerer, expose sa version des faits. Scott était assis à table. Il venait d'essayer de réparer la pompe de la piscine. Ils étaient en train de dîner, Yarmila, les deux enfants et lui, et ils parlaient de leur projet d'aller en Espagne pour leur retraite. Il était épuisé par sa journée de travail et il a dit qu'il allait se coucher. Yarmila lui a dit « Et la pompe, l'eau va être toute verte !» Il a répondu qu'il le ferait une autre fois. Et elle est restée à regarder la télé. Entre 22 et 23 heures, Fallater, qui a de longs antécédents de somnambulisme, sort de son lit, enfile ses vêtements de travail par-dessus son pyjama et sort de la maison. Il retourne à la piscine finir le travail sur la pompe. Toujours devant la télévision, Yarmila entend un bruit dehors. Elle est sortie et a probablement vu Scott, qui était en pleine crise.
et qui essayait d'enlever le joint de la piscine avec un couteau. Elle a dû arriver par derrière et le toucher en lui disant « Scott, qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, il est entré dans l'une de ces rages qui peuvent se produire chez un somnambule et il l'a poignardé. La défense et l'accusation sont d'accord sur un point. Falater a frappé Yarmila 44 fois, puis l'a noyée dans la piscine. Mais le procureur Juan Martinez est convaincu qu'il s'agit d'un meurtre prémédité et que Scott n'était pas plus endormi que sa femme. Scott Falater a consciemment décidé de tuer sa femme. Il l'a attirée dans le coin le plus sombre de la propriété et l'a frappée 44 fois. Il a enlevé ses vêtements tachés de sang et les a mis dans une boîte en plastique dans le coffre de sa voiture. Puis il est monté se laver. Il est redescendu, a vu qu'elle n'était pas morte et l'a traînée vers la piscine. Là, il lui a maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle meure. Donc je sais ce qui s'est passé. Il l'a tuée et c'était prémédité. Le récit du témoin oculaire, un voisin, vient étayer les arguments de l'accusation. Son compte-rendu de la terrible scène de noyade est très convaincant. Dans les interviews suivant le procès, bon nombre de jurés affirment que c'est la noyade et non les coups de couteau qui leur a paru le plus suspect. La première attaque aurait pu coller avec le somnambulisme. C'est la deuxième qui ne colle pas vraiment avec ce que l'on en sait. J'ai toujours su que le problème serait d'expliquer ce qui s'était passé après les coups de couteau. C'est pour ça qu'il a été condamné. Falater lui-même déclare n'avoir aucun souvenir des événements survenus dans la soirée, jusqu'à ce que la police fasse irruption dans son salon et le plaque au sol. Peu après 2 heures du matin, il est emmené au poste de police et interrogé. Dites-moi comment ça a commencé. Apparemment, vous croyez que c'est moi. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il y a un voisin qui vous a vu. Bon sang. Désolé, je ne m'en souviens pas. J'aime mes enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, désolé. Il ne s'est rien passé? J'aime ma femme. J'aime mes enfants. L'enregistrement de la déclaration de Falater à la police montre qu'il ment. Quand le policier lui dit que sa femme est morte et que c'est lui qui l'a tuée, il se cale juste dans son siège et dit calmement « Comment j'ai pu faire ça ?» Vous vous étiez disputé ? Non, non. Comment est-elle morte ? L'avocat de la défense, Michael Kimmerer, fait une toute autre analyse. Pour moi, la cassette de l'interrogatoire colle bien avec quelqu'un qui a eu une crise de somnambulisme. On voit qu'il ne se souvient de rien. Il est choqué et horrifié d'apprendre qu'il a tué sa femme. D'après le voisin, vous l'avez frappé, puis traîné vers la piscine et vous lui avez maintenu la tête sous l'eau. Il vous a vu faire. Il l'a surtout frappé à la poitrine. L'accusation doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que Falater avait planifié le meurtre. Il ne s'est pas contenté de mettre le sac poubelle dedans, non, il a ouvert le compartiment de la roue de secours.
Pour tenter de semer le doute dans l'esprit des jurés, Martinez met l'accent sur une foule de petits détails. Une autre chose qui indique qu'il n'était pas en état de somnambulisme, il s'est changé. S'il ne savait pas que ses vêtements étaient pleins de sang, pourquoi se changer? Pourquoi ne pas retourner se coucher comme ça? L'épreuve semble accablante. Le fait qu'il ait senti qu'il s'était blessé et qu'il ait mis un pansement. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont déjà mis un pansement dans le noir, mais c'est très dur, même quand on n'est pas somnambule. Les somnambules ne se créent pas de souvenirs au cours d'une crise. Le fait que Falater soit retourné auprès du corps au bord de la piscine pose un gros problème à la défense. S'il a vraiment été frappé d'amnésie comme il l'affirme, comment a-t-il su qu'il y avait un corps? Comment a-t-il pu le retrouver? Ça ne colle pas avec ce qu'on sait sur le somnambulisme. Falater a effectivement cherché à dissimuler les faits en cachant les preuves et en portant des gants. Mais était-ce intentionnel ou dormait-il vraiment tout du long? Avait-il une raison de tuer? Pour le procureur Martinez, le couple n'était pas si uni. La femme de Scott lui avait déjà reproché sa trop grande implication vis-à-vis de son église. Tous ces détails troublants resteront à l'esprit des jurés. Falater est déclaré coupable et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les entretiens face à face n'étant pas autorisés dans les prisons d'Arizona, nous l'avons interrogé par téléphone. À la barre, c'était difficile pour moi de dire que j'étais en état de somnambulisme parce que je ne me souviens pas de la scène. Je ne peux pas vous dire avec certitude ce qui s'est passé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce meurtre n'avait aucun sens. Ça a été fait à un moment et à un endroit où c'était quasiment sûr qu'il y aurait des témoins et que je serais le seul impliqué. Il n'y avait pas eu de dispute. Pas de mobile. Ma femme était ma meilleure amie. C'était mon amante et ma confidente. C'était la seule personne à qui je pouvais parler de tout. Ma famille me manque. La science serait plutôt du côté de Scott. Les polysomnogrammes réalisés pendant 4 nuits en laboratoire avant le procès montrent qu'il a bien le profil d'un somnambule. Et sa mère a confirmé ses longs antécédents. Ses crises remontaient à son enfance. En outre, il était très stressé par son travail. Un facteur qui déclencherait des crises de somnambulisme. On n'avait pas de problème de couple. Il n'y avait pas de dispute à la maison. Par contre, au travail, je risquais de devoir annoncer qu'il valait mieux qu'on abandonne toute ma gamme de produits. Ça m'a fait du souci pendant des mois. Et voilà où ça m'a mené. La nuit, je ne dormais que 3, 4 ou 5 heures. Le stress et le manque de sommeil sont deux des principaux facteurs du somnambulisme. Mais le procureur campe sur ses positions. Falater n'a pas fait de crise ce soir-là. Tout indique qu'il était réveillé et qu'il avait préparé ce meurtre. Bon nombre d'avocats souhaiteraient qu'on ne puisse plus invoquer le somnambulisme dans des procès. Source de problèmes à la fois pour l'accusation et la défense. Pourtant, la science le confirme. Les troubles du sommeil allant croissant, cette tendance n'est pas prête de disparaître. Pendant des années, les spécialistes ont inventorié les comportements étranges que certaines personnes avaient dans leur sommeil. Mais peut-on en déduire que cela pourrait aller jusqu'au meurtre? Bien que cette affaire ait été portée devant la chambre d'appel, Scott Falater risque fort de passer le restant de ses jours à Florence, dans le désert d'Arizona. Il arrive que des arguments improbables soient retenus. Ainsi, dans le procès Twinkie, un homme accusé de meurtre a été acquitté pour cause d'aliénation mentale directement liée à une consommation excessive de sucreries. Mais l'avocat de Falater savait que défendre son client serait ardu. J'ai l'expérience des procès et des jurys, et je savais que ce serait dur. Pour la défense, ça allait être quasiment du niveau de l'affaire Twinkie. Falater lui-même a des doutes.
Mon avocat vous le dira. Moi-même, j'étais le dernier à adhérer à cette argumentation. Donc je comprends que ce soit dur pour un juré d'assister à ce procès-spectacle de 5 semaines alors qu'il ne me connaît pas du tout. Et je comprends qu'on ait du mal à avaler toute l'histoire. Dans des cas comme ça, tout repose sur la parole de l'accusé. Car à part des tests cliniques, il n'y a aucun moyen de distinguer un somnambule de quelqu'un qui prétend l'être. Dans l'affaire Falateur, l'accusation a eu de la chance. Un témoin était présent sur les lieux du crime et a donné les détails du meurtre de Yarmila, scellant probablement le sort de son mari. Sans ce voisin, Scott Falateur serait parmi nous à commettre d'autres crimes, soi-disant dans son sommeil. L'étude du sommeil est une science relativement récente, et les résultats des tests sont souvent sujets à controverse. Au moment où il commet un acte violent, le somnambule n'a pas d'électrode sur lui. En définitive, les preuves contre Scott Falateur étaient assez accablantes. Après délibération, le jury l'a déclaré coupable de meurtre avec préméditation. L'exorcisme. Ce rituel visant à chasser les démons qui prennent possession d'individus est un phénomène aussi ancien que la civilisation. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, cette pratique connaît un incroyable renouveau. Pourquoi ? Le mal a-t-il décidé de s'emparer de nous ? Il n'y a pas si longtemps, le diable semblait passer de mode. Il n'était plus cet être maléfique qui s'immisçait dans la vie des gens et était pour ainsi dire tombé en désuétude. L'idée que quelqu'un dispute une âme à Satan au cours d'une sorte de duel semblait tout droit sortie du Moyen Âge. Mais c'était avant qu'un film ne remette en lumière un rituel catholique ancestral, terrorisant du même coup toute une génération. Les gens qui ont regardé l'exorciste ont commencé à se sentir pas bien, à frissonner, à vomir et à avoir des accès de colère. En regardant le film, ils ont fini par se croire eux aussi possédés. On a signalé des cas un peu partout. Les prêtres recevaient des gens qui se croyaient possédés. L'impact de l'exorciste fut considérable. Et son succès engendra une ribambelle d'autres films sur le même thème, qui redonnèrent ses lettres de noblesse au satanisme. Aujourd'hui, l'exorcisme se porte bien, particulièrement à Rome. Au Vatican, dans la prestigieuse Université pontificale de Rome, les séminaristes suivent désormais un cours de 2 mois sur la pratique de l'exorcisme. Certains espèrent devenir des soldats de la Sainte Lutte, en chassant le démon qui possède les gens. Parmi leurs professeurs se trouve un exorciste, le père Gabriel Nani. L'expression latine pour possession se traduit par siège, comme pour une cité cernée par une armée. L'individu est la cité, et le centre de cette cité, c'est la volonté de cette personne, son âme. Et le démon essaye systématiquement de détruire toutes les défenses des individus pour asservir leur volonté. Ce rite catholique et sa version anglicane, filmés ici dans les années 70, n'ont guère changé depuis le Moyen Âge. Le prêtre ou le révérend ordonne à l'esprit malin de partir au nom de Jésus. Mais il n'affronte pas directement le démon. L'esprit malin est lié à chacun d'eux. Ici, les choses sont différentes. Je te défie au nom du Dieu vivant. C'est sa maison, son bien, son peuple. Et tu n'as aucun droit d'être ici ce soir. Quitte ces gens. Bienvenue dans un des séminaires d'exorcisme de Bob Larson, un homme qui s'attaque directement au diable. Je m'oppose à tout rejet, tout abandon.
Cet homme, qui suscite la controverse, y compris parmi les chrétiens charismatiques, pratique des exorcismes depuis plus de 30 ans. Une épouse, un ami, un parent, un membre de la famille, quelqu'un qui aurait dû se soucier de vous et ne l'a pas fait. Satan, je m'oppose à toi pour ce que tu as fait à cet homme. Parfois, je me dis que la moitié de la population souffre à un degré ou à un autre de possession démoniaque sans le savoir. Tu dois la libérer de l'alliance du sang. Tu m'entends, Satan ? Larson est ici à Pasadena, en Californie. Il pense discerner, embusqué dans le regard des gens tristes, blessés, perdus ou en colère, les démons qui se repaissent de la faiblesse humaine. Les démons sont parfois stupides et se trahissent. Nous savons maintenant qu'il faut aussi te débarrasser de l'esprit de la peur. La majorité des démons profitent de la souffrance humaine. On trouve donc des démons du meurtre, de la colère, de l'exclusion, de la rage, de la vengeance. Les gens enfouissent leurs émotions profondément et ne pouvant se libérer, celles-ci finissent par s'accumuler. Jézabel, tu n'as pas le cran d'affronter l'homme de Dieu. Regarde-moi. Je ne veux pas. Regarde-moi. Je ne veux pas. Ouvre les yeux, je te l'ordonne par le Christ. La clé d'un exorcisme, ce n'est pas ce qu'on voit dans les films. Des gens qui courent dans tous les sens en aspergeant tout d'eau bénite, en brandissant un crucifix et en criant pas. C'est atteindre la partie blessée et en colère d'une personne et résoudre le problème pour que le mal qui y est attaché n'ait plus rien pour se raccrocher. Elle ne veut pas de toi, va-t'en. Va-t'en. Dites-lui de s'en aller. Dites-lui de s'en aller. Va-t'en. Je ne discute pas avec des démons au quotidien. Je les interroge lorsque je pratique un exorcisme. Je ne leur parle pas en dehors du rite, mais une fois qu'il a commencé. Je suis le diable ! Il existe un contexte délimité dans lequel on autorise le démon à s'exprimer afin d'obtenir les renseignements nécessaires à la poursuite de l'exorcisme. En 30 ans, Bob Larson prétend avoir exorcisé plus de 6000 démons. Je te frappe au nom de Jésus. Il organise une vingtaine de séminaires par mois et a donné des conférences dans quelques 80 pays. Sortez, démons. Heidi Dina assiste à ces séminaires depuis plus d'un an. Elle pense être tourmentée par des démons depuis sa petite enfance. Je la libère. Je faisais des cauchemars quand j'étais petite, où je voyais des démons vraiment effrayants dans ma chambre. Dis-le. Ils venaient m'attaquer dans mon sommeil pour avoir des relations sexuelles avec moi. C'était repoussant, abject et dégoûtant. Je me réveillais en me disant, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Le Saint-Esprit. Il est atteint. J'en demande le droit. J'ai fait des séjours en hôpital psychiatrique, j'ai consulté des spécialistes, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit de faire, mais en vain. Par contre, quand je me suis mise à venir ici, petit à petit, j'ai senti un soulagement. Chaque exorcisme pratiqué sur moi me faisait me dire « Waouh, je commence à me sentir mieux !» Rien qu'au cours des 12 derniers mois, Heidi a été exorcisée plus d'une cinquantaine de fois. Mais pour les sceptiques, l'étrange dialogue qui s'est instauré entre Heidi et Bob ressemble à toute autre chose, à de l'hypnose, où les personnes sensibles exécutent ce qu'un chef charismatique leur demande de faire. Une fois que vous incitez une personne réceptive à croire qu'il ou elle est possédé, le reste vient presque automatiquement, les gens se mettent à jouer. Ils parlent d'une voix gutturale, ils marmonnent des phrases dans une langue inconnue, ils se mettent à trembler. Pars au nom de Jésus!
Ils s'effondrent, ils donnent des coups de pied dans tous les sens. Ils peuvent faire tout un tas de choses qui les font ressembler à des possédés. Mais ils n'en sont pas. Il a sa Bible, son micro, ses projecteurs, ses assistants, les gens qu'il vient d'exorciser. Tout l'auditoire ressent énormément d'émotions. Et chacun sait quel rôle il est censé jouer. Je pense pas qu'il soit conscient de berner les gens et qu'il ait tout préparé. Il y croit fermement, eux le croient, et c'est un psychodrame, un cercle qui s'auto-alimente. Sens-le, fais-le sortir. C'est de la psychologie, rien de plus. Exprime ta colère. À en croire la psychologue Elisabeth Loftus, cette nouvelle mode pourrait menacer la santé mentale et physique des individus. Ça m'inquiète énormément pour les individus qui y succombent, car ils souffrent peut-être d'un problème pour lequel il existe un traitement susceptible de les aider sur le long terme. Mais ils consacrent leur temps et leurs ressources à une démarche bidon, qui les détourne d'une aide réelle qui leur permettrait peut-être de s'en sortir. Les gens qui servent d'exemple, de sujet de démonstration, de preuve aux yeux de l'auditoire, attirent les autres vers ce même comportement et vers ce monde où ils ne trouveront aucune aide. L'exorcisme ressemble à une forme inoffensive de « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais d'après certains psychologues, il y a pourtant de quoi s'inquiéter. Car cette pratique pourrait favoriser le développement de maladies mentales, voire tuer. Après des milliers d'exorcismes, Bob Larson affirme qu'au pire, les possédés ne repartent qu'avec des bleus ou quelques égratignures. Pourtant, au cours des dernières décennies, un nombre alarmant d'exorcismes s'est soldé par des blessures et des décès. Apparemment, certains pensent pouvoir chasser le démon par la torture. Des exorcistes auraient ainsi pratiqué des énucléations, enfoncé des crucifix dans le nez ou la gorge de pauvres victimes. Certains possédés ont été passés à tabac, jetés dans des fours, étranglés ou étouffés. Tout ça pour chasser des démons. En 2003, un enfant autiste de 8 ans est mort étouffé au cours d'un rituel, alors que l'officiant était couché sur lui pour le maintenir en place. En 1998, une jeune fille de 17 ans a été étouffée par sa mère avec un sac plastique. En 1977, une fillette de 5 ans est morte. On l'avait obligée à avaler un breuvage contenant de l'ammoniac et du vinaigre, et on lui avait collé un ruban adhésif sur la bouche. L'exorcisme peut être mortel ou occasionner des blessures. Et s'il s'agissait d'un exercice médical, ces gens enfreindraient la loi. L'ordre des médecins serait sur leur dos et le gouvernement y mettrait un frein. Mais comme il s'agit de religion, on leur fiche la paix. C'est ça le problème. Lorsque je me penche sur les 3 dernières décennies au cours desquelles j'ai pratiqué des milliers et des milliers d'exorcismes, je n'ai jamais vu qui que ce soit être blessé de façon définitive. Il faut parfois ligoter les possédés. Certains repartent avec une égratignure ou quelques bleus, mais c'est pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes. Il peut y avoir des petits bobos de ce genre, mais rien de permanent, car ça, nous ne le permettrions pas. Les décès lors d'exorcisme sont extrêmement rares. Mais psychologues et médecins font état d'un type de blessure nettement plus insidieux. Une blessure psychologique. Karen Miller n'est pas de cet avis. J'ai rencontré Karen à San Diego il y a quelques années. Il y avait quelques centaines de personnes dans la salle. Je me suis approché et je lui ai dit qu'elle avait des personnalités multiples squattées par des démons. Elle l'ignorait. Bob Larson a exorcisé Karen à de nombreuses reprises, ce qui l'a incité à devenir à son tour exorciste. Elle croit avoir été victime de viols rituels par des satanistes. Il s'agit des soi-disant sévices systématiques, des mutilations et des tortures infligées à des enfants par des cultes sataniques. En conséquence, elle s'était divisée en personnalités. Depuis, Karen dit avoir retrouvé des souvenirs de ses mauvais traitements. Plus exactement, ce sont ses autres personnalités qui s'en souviennent. Et certaines d'entre elles sont reliées à des démons. Je devais être sacrifiée à l'âge de 10 ans. Mais Dieu est intervenu et nous avons déménagé dans un autre état.
À ce jour, la personnalité de Karen s'est divisée non pas en deux, ni en quatre, mais... En environ 21 personnalités. L'une d'elles a dit qu'il y en aurait même 38. Peut-être plus, peut-être moins. Or, la plupart des experts pensent aujourd'hui que les personnalités multiples n'existent pas. Pas plus que les violences collectives par des cultes sataniques d'ailleurs. Le FBI a effectué une étude exhaustive de plusieurs centaines de soi-disant cultes sataniques, mais sans rien trouver. Si ces pratiques étaient réelles, certaines auraient pu être dissimulées, mais on en aurait déniché au moins une. Or, on n'en a trouvé aucune. Les cultes sataniques n'étaient que de l'hystérie collective, rien de plus. Mais si c'est vrai, comment se fait-il que des gens comme Karen aient des souvenirs très détaillés de ces pratiques? Comment peuvent-ils croire qu'ils ont, suite à cela, hérité de personnalités multiples? Quelqu'un qui prétend avoir 38 personnalités, j'aimerais savoir quelles émissions télé cette personne a regardées et à quel thérapeute elle s'est adressée pour savoir comment ce produit a été fabriqué. Le docteur Elisabeth Loftus est spécialiste de la thérapie cognitive et des faux souvenirs induits. Étude après étude, elle a accompli un véritable exploit, inciter des gens à se souvenir d'événements qu'ils n'avaient jamais vécus et par voie de conséquence, croire des choses erronées à leur propre sujet. Avec quelques collègues, nous voulions savoir si nous pouvions implanter un souvenir complètement faux. Nous avons donc mis au point un moyen de faire croire aux gens que lorsqu'ils avaient 6 ans, ils se sont perdus dans un centre commercial, qu'ils avaient peur, qu'ils pleuraient. Nous y sommes arrivés en leur disant « Nous avons parlé avec votre mère, votre père ou votre grand frère et découvert un certain nombre de choses qui vous sont arrivées quand vous étiez enfant. Voyons quels souvenirs vous en avez gardés. » Lors de notre étude, un quart environ des adultes de référence se sont laissés persuader et se sont mis à se rappeler tout ou partie de ce souvenir. Lors d'une autre étude à laquelle j'ai collaboré, nous voulions savoir si nous pouvions implanter un souvenir ou une croyance complètement improbable. Et nous avons convaincu des gens que, enfants, ils avaient été témoins d'un cas de possession par un démon. Si nous, nous pouvons le faire grâce à une simple manipulation, en expliquant aux gens dans quelle mesure il est possible que quelque chose de ce genre leur soit arrivé, imaginez ce qu'un croyant charismatique peut faire pour conduire les gens à être persuadés qu'ils sont possédés et pour les inciter à vouloir y remédier. Le Saint-Esprit nous emplit de l'amour de Dieu ce soir. Les sceptiques viennent sans arrêt me dire que c'est du pipeau, que j'hypnotise les gens, ou qu'il s'agisse d'individus faibles sur le plan psychologique qui cherchent des explications faciles. Je leur réponds, j'ai 6000 cas à mon actif. Nous avons une centaine d'équipes qui pratiquent des centaines d'exorcismes chaque semaine. Ça marche, quel que soit le principe, et même si vous n'y croyez pas. N'est-il pas préférable que ces gens soient aujourd'hui de bons parents, de bons éléments de la société, plutôt que des bombes à retardement potentiellement dangereuses, comme avant? Je hais les hommes. Je hais les hommes. Je hais tous les hommes. Je hais tous les hommes. Je hais tous les hommes. Et les croyants de renchérir, pourquoi quelqu'un voudrait-il croire que quelque chose d'aussi terrible lui arrive? Car être possédé par un démon n'a rien de séduisant. Quand les gens sont étiquetés possédés par le démon, ils se sentent mieux. Ils peuvent se dire que ça n'est pas leur faute. Ils jouissent de la compréhension d'autrui, ils savent qu'il existe d'autres individus comme eux, et tout ceci leur permet de se rassurer, même si ce réconfort se révèle complètement faux. Il est bien plus facile de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. On peut se dire, je ne suis pas méchant, je suis quelqu'un de bien.
Mais le malin s'est emparé de moi. Le diable m'a poussé à le faire. Pour les détracteurs de ces pratiques douteuses, les dégâts les plus visibles restent néanmoins au niveau du portefeuille. Cette série de 4 heures s'intitule « Comment avoir autorité sur les démons et le diable ?»« Comment délivrer ?» Quelqu'un de cynique pourrait croire que c'est Bob Larson qui est possédé par le malin et qu'il travaille à son œuvre. Cet homme a monté son affaire grâce à l'exorcisme. Vous aussi, vous pourrez faire se manifester des démons chez vous avec mon aide. D'une certaine façon, c'est l'Amérique. Gagner de l'argent, c'est le credo des Américains. Mais il y a de quoi avoir des soupçons quand on voit que cet exorciste accepte les cartes de crédit. Nous avons des dossiers volumineux sur des gens dont la vie a repris un cours normal et qui apportent aujourd'hui une contribution bénéfique à la société. Ça marche. Le diable a-t-il encore sa place dans notre monde moderne? L'ignorons-nous à nos risques et périls? L'exorcisme est-il réel? Tout le monde doit passer par un processus de prière et demander à Dieu: Seigneur, si un démon se cache quelque part dans ma vie, je t'en prie, débarrasse-moi. Et si vous n'y arrivez pas, appelez-moi. L'exorcisme, comme toutes les voies de la foi offertes par l'Église, est une fenêtre ouverte et lumineuse dans un monde de ténèbres, dans une pièce obscure. Je ne crois pas que les gens puissent être possédés par des démons, car je ne crois pas en eux. Ce qui m'inquiète, c'est que des gens souffrant à l'évidence de problèmes neurologiques, neuropsychiatriques, qu'on peut parfois confondre avec un cas de possession, reçoivent des traitements inappropriés sous la forme d'exorcisme. Nous n'avons pas besoin de chercher bien loin pour trouver des incarnations du mal. Il suffit de regarder le mal que fait l'homme. Le diable peut affecter nos vies et d'ailleurs, il ne s'en prive pas. Il cherche à détruire tout ce qu'il peut atteindre. J'ai envie de dire à ceux qui envisagent de se faire exorciser, ne perdez ni votre temps ni votre argent. Si vous avez des problèmes, consultez des médecins. Nous vivons au 21e siècle, à l'ère de la science, et plus au Moyen Âge. Dans un monde dangereux, entouré d'objets qui peuvent facilement s'enflammer, brûler ou exploser. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce vrai que les humains peuvent s'enflammer soudainement? C'est une théorie qui existe depuis des siècles et d'étranges scènes d'incendie semblent lui donner raison. La combustion humaine spontanée existe-t-elle vraiment? Ou est-elle le fruit d'imagination débordante? Nous allons étudier la question avec ceux qui y croient et avec les sceptiques. Quand la science et le surnaturel se rencontrent, ça fait des étincelles. Le corps était complètement carbonisé. Il restait un morceau de la tête et un bout de la jambe droite. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment c'était arrivé? Le soir du 26 mars 1986, des experts en incendie de l'État de New York sont appelés pour enquêter sur le site d'un étrange brasier. Même pour un professionnel du feu, l'expérience s'avère profondément troublante. Robert Purdy est l'un des premiers sur les lieux. J'ai enquêté sur de nombreux incendies et je n'ai jamais rien vu de pareil. Jamais de ma vie. Je n'oublierai jamais. Quand cet homme est allé se coucher, il était entier. Le matin, il ne restait plus qu'un kilo et demi d'os, alors qu'il pesait 90 kilos. Il a brûlé dans son lit et la maison était intacte. Comment c'est arrivé? La dépouille de George Mott, pompier à la retraite,
repose sur son lit carbonisé. Dans la chambre, rien d'autre n'a brûlé. Était-ce un homicide? Non, je ne crois pas. On a envisagé toutes les possibilités. Un suicide? J'en doute fort, franchement. J'aimerais avoir la réponse. Je sais juste qu'il est mort. Que s'est-il passé? Des victimes retrouvées réduites en cendres alors que la pièce dans laquelle elles se trouvent est intacte. Voilà qui trouble les spécialistes depuis des décennies. Quel genre de feu peut consumer un corps humain sans embraser le reste de la pièce? Pourquoi une personne en train de brûler ne fait rien pour éteindre les flammes? L'explication, c'est peut-être la combustion instantanée. Ce n'est pas le seul décès par le feu inexpliqué. Mary Reiser, 67 ans, Saint-Pétersbourg, Floride, 2 juillet 1951. Il ne reste d'elle que le foie, une jambe et une partie du crâne. Helen Conway, 51 ans, Upper Darby, Pennsylvanie. Le dimanche 8 novembre 1964, sa fille découvre cette scène d'horreur. Également en Pennsylvanie, le docteur John Irvin Bentley, 92 ans, retrouvé chez lui le 5 décembre 1966. Il ne reste qu'une jambe. Trois exemples parmi des dizaines de cas semblables. Des morts violentes et tragiques qui font les choux gras des journaux à sensation et des adeptes du paranormal. Mais force est de constater que de temps en temps, quelqu'un meurt de cette manière. Pendant des siècles, certains ont affirmé que le feu qui consumait ses victimes venait de l'intérieur. Les tenants de cette théorie appellent cela la combustion humaine spontanée, ou CHS. Larry Arnold est l'auteur d'un livre sur le sujet, intitulé « A Blaze ». Il faut se rendre à l'évidence, c'est rare, mais la combustion humaine spontanée existe. Et il faut faire face à ce que ça implique. Pour les sceptiques, la combustion humaine spontanée est une aberration. Le docteur Joe Nickel est un spécialiste des phénomènes paranormaux. Notre corps est constitué d'eau en grande partie. Il n'existe aucune combinaison chimique, ni aucune situation qui pourrait provoquer une combustion spontanée. Donc les probabilités se situent entre très faibles et nulles. Et encore, je suis gentil. Une combustion peut se réduire à trois éléments: chaleur, combustible et oxygène. Pour obtenir une combustion ordinaire, on met le combustible en contact avec de la chaleur, en présence d'oxygène, et ça brûle. Dans la combustion spontanée, le combustible, par exemple un chiffon imbibé d'huile, s'oxyde, créant ainsi sa propre source de chaleur et s'enflamme. C'est une cause d'incendie très fréquente. La CHS est censée se déclarer à l'intérieur du corps, où il n'y a ni oxygène ni combustible. Comme le plus souvent, la victime ne survit pas. Et comme personne n'a jamais assisté à ce phénomène du début à la fin, le mystère reste entier. Il arrive cependant, mais c'est très rare, que quelqu'un soit victime d'une combustion devant témoins et y survive. C'est avec l'incroyable histoire d'une survivante que notre enquête commence. Belgique, jour de l'an 2002, au nord de Bruxelles. Alors qu'elle rentre de la plage avec sa famille, Adèle Waldak voit soudain sa cuisse s'enflammer. Elle est gravement brûlée, de la taille au genou. Aujourd'hui encore, les médecins sont incapables d'expliquer les causes du feu. Les partisans de la combustion humaine spontanée pensent qu'ils tiennent là la preuve que le corps humain peut brûler de l'intérieur. Deux enquêteurs que tout oppose se sont rendus en Belgique pour tenter de résoudre ce mystère. Larry Arnold, spécialiste de renommée mondiale des incendies inexpliqués, est un fervent adepte de la théorie de la CHS. Depuis 30 ans, il fait le tour du monde en quête d'éléments prouvant que les humains peuvent brûler de l'intérieur.
On serait enchantés si notre travail nous valait le prix Nobel de médecine ou de physique. On pense qu'on le mérite. Reste à savoir comment l'histoire nous traitera, nous et nos recherches. L'ennemi juré d'Arnold, le biologiste Marc Benecky, l'un des meilleurs experts médico-légaux d'Allemagne. La police fait appel à lui pour résoudre les affaires les plus étranges. Il est venu en Belgique pour essayer de trouver une explication rationnelle à la mésaventure d'Adèle. Je cherche seulement la vérité. Si on veut découvrir la vérité, la première règle, c'est de ne pas se fier à soi-même. Ne croyez pas que quiconque sache comment le monde fonctionne. Quand il s'agit de cas étranges, il faut se mettre dans la peau d'un enfant de 5 ans et ne jamais dire « c'est impossible ». Adèle veut comprendre ce qui lui est arrivé, tout comme nous. On essaye d'explorer cette possibilité, de voir si les faits, les preuves disponibles, nous amènent à conclure qu'elle a survécu à une CHS. Bien que Benecky et Arnold ne partagent pas les mêmes convictions, ils sont sûrs tous les deux que la vérité réside dans le témoignage de la victime et des témoins. Pour comprendre ce qui s'est passé, dans le cadre d'un crime ou d'un cas présumé de phénomène paranormal, il est bon de recueillir rapidement tous les détails auprès des témoins, de voir l'endroit où s'est déroulé l'événement. On pense que les facteurs qui provoquent la combustion spontanée ne sont pas communs. Bonjour. Larry Arnold. Enchanté de vous rencontrer. Il doit y avoir un faisceau d'éléments. Vous portiez des collants? Les facteurs doivent coïncider pour créer l'environnement correct et propice à la combustion humaine spontanée. Commençons par le commencement et racontez-moi exactement ce qui vous est arrivé le 1er janvier 2002. Oui. Nous sommes allés nous promener sur la plage le jour de l'an. Ma fille m'a dit : Maman, regarde, il y a un joli coquillage. Elle avait trouvé un petit coquillage, une huître, mais toute petite. Elle était spéciale. Elle avait de jolies formes. Identique à celle-ci? Presque. Sans réfléchir, je l'ai mise dans ma poche gauche, et nous sommes retournés à la voiture. Puis j'ai pris mon mouchoir et je me suis essuyé les mains. Je les avais mouillées en ramassant des coquillages sur la plage. J'ai remis le mouchoir dans la poche gauche. Celle où il y avait la coquille. On rentrait à la maison. C'était peut-être une demi-heure plus tard. J'ai senti quelque chose sur ma... Sur la cuisse? C'est ça, oui. Et 10 secondes plus tard, j'ai vu une flamme bleue sortir de ma poche. C'était surnaturel. Comme si je rêvais. Ces photos ont été prises le jour même? À mon arrivée à l'hôpital. Est-ce que vous vous souvenez si à l'endroit de la plage où vous êtes allé vous promener le 1er janvier, il y avait eu une marée noire, une pollution à l'hydrocarbure dans les années précédentes, ou tout autre type de pollution dont on aurait parlé dans les journaux? Un peu partout, il y avait des restes du feu d'artifice. Quel genre? De toutes sortes. Des fusées qu'on tire? Et aussi loin qu'on pouvait voir, il y en avait partout sur la plage. Ça, vous voyez? Quoique... Mais comment ça aurait pu arriver sur la coquille? Il aurait fallu que vous en ayez un peu sur vous, et vous dites que vous n'avez rien vu. Non. Serait-ce un premier indice? Des restes de feux d'artifice auraient-ils pu se retrouver sur la coquille? Et si oui, qu'est-ce qui a provoqué la combustion dans la poche d'Adèle? Il faut une source. Et pour l'instant, on ne sait pas ce que ça pourrait être.
C'est un cas hors du commun. On n'a pas tous les éléments. Je crois que ça vaut le coup de creuser un petit peu plus. Le biologiste Marc Benecchi et le spécialiste des combustions humaines spontanées Larry Arnold poursuivent leurs recherches. Ils vont interroger les témoins de l'étrange accident d'Adèle Waldach. Nous voudrions savoir si on peut ou non identifier une source de combustion extérieure qui corresponde aux brûlures qu'elle a subies. Il y avait des brûlures au deuxième et troisième degré sur la partie latérale du genou, la partie latérale de la cuisse et également sur les doigts, sans doute parce qu'elle a essayé d'éteindre le feu. C'est un indice précieux. Adèle n'a été brûlée que de manière superficielle. Il n'y a aucune preuve médicale que le feu se soit déclenché à l'intérieur du corps. Mais ni Benecchi, ni le médecin ne savent ce qui a pu le provoquer. Vous pensez qu'il pourrait s'agir d'un phénomène surnaturel ? Non, je ne crois pas. Il doit y avoir une explication, mais j'ignore laquelle. Bien. L'interview de la fille d'Adèle. Il est temps d'interroger les enfants d'Adèle qui étaient dans la voiture au moment de l'accident. D'abord, on a vu la flamme. Et la voiture était remplie de fumée quand je l'ai garée sur le côté. C'était dingue. On n'avait jamais rien vu de pareil. C'était presque aussi puissant que la flamme d'un chalumeau. Et ça faisait beaucoup de bruit. Ça faisait du bruit ? Comme quand on craque une allumette. Le même bruit qu'une allumette qu'on craque et qui s'enflamme. Oui, c'était incroyable. Le bruit d'allumette est un indice important pour Larry Arnold. Dans d'autres cas de CHS supposés, les témoins auraient entendu des crépitements semblables. Maintenant, c'est au tour du docteur Benecchi d'interroger les enfants. La coquille projetait des étincelles. La source de chaleur était très blanche et les étincelles étaient projetées à 50 cm. Même quand la coquille était par terre ? Oui, oui, elle projetait des étincelles. Personne n'a essayé de la piétiner ? Non, non, je l'ai envoyée plus loin. C'était très bizarre. Pour Benecchi, les étincelles pourraient bien être une preuve cruciale. D'abord sceptique au sujet des feux d'artifice trouvés sur la plage, il révise sa position. Je suppose qu'il s'agissait bien de feux d'artifice. Ils ont vu des étincelles, des résidus de poudre. Ou peut-être même pas. Ça pourrait être tout un tas de substances différentes qui projettent des étincelles. Larry Arnold n'est pas convaincu. Les témoins ont également vu une flamme bleue. Le seul produit chimique dans les feux d'artifice qui produisent une flamme bleue, c'est le cuivre. Or, dans les résultats d'analyse qu'on a, il n'est pas fait mention de résidus de cuivre retrouvés sur les vêtements ou objets d'Adèle. On peut essayer d'écarter autant d'hypothèses que possible et ensuite voir ce qui nous reste. Peut-être la vérité, même si elle paraît invraisemblable. L'un d'entre eux, quelle que soit son opinion, parviendra-t-il à résoudre cette énigme ? La science a un moyen d'expliquer la combustion humaine spontanée. Une théorie récente convaincante, la théorie de la bougie. La théorie de la bougie est une expérience au cours de laquelle on essaie de recréer une situation de combustion humaine spontanée. Imaginez un corps habillé faisant office de bougie. Les vêtements sont la mèche, la graisse humaine, la cire. Même un feu très faible peut être assez brûlant pour entamer la peau, enflammer la graisse et la faire brûler lentement, mais sûrement. Benecchi fait la preuve de ce phénomène à l'aide d'un bout de tissu et d'un morceau de porc. La graisse de porc et la graisse humaine sont très semblables. Si les conditions sont réunies, la graisse et les vêtements brûlent comme une bougie jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment rien. Si on laisse le feu brûler et qu'il continue de brûler, il va attaquer les muscles et il peut même consumer tout le morceau de viande. La théorie de la bougie est une solution presque parfaite. Elle démontre que le corps humain possède son propre combustible et que dans les circonstances appropriées, il contribue à sa propre destruction. La théorie de la bougie expliquerait également pourquoi les jambes et les pieds sont souvent retrouvés intacts après une CHS supposée.
Ces parties du corps contiennent peu de graisse et ne sont pas toujours couverts par les vêtements. Donc, pas de mèche et pas de cire. Soulignons également que si la victime est assise, le feu se déplace vers le haut. Mais cette théorie tient-elle la route en conditions réelles? Aidé d'un ingénieur chimiste et d'un spécialiste des incendies, le docteur John Dehan va tenter de reconstituer la scène de la combustion de George Mott dans une maison du feu fournie par l'État de Californie. Pour l'expérience, il a besoin d'une doublure de la victime. Dehan va utiliser un porc de 75 kg. Les carcasses de porc sont souvent utilisées pour remplacer le corps humain dans les reconstitutions d'incendies. Tout est fin prêt. D'après les données scientifiques, ça devrait marcher. Croisons les doigts. Prêt, John ? On lance le compte à rebours. 10, 9, 8, 7. Grâce à cette petite flamme, la graisse de porc devrait s'enflammer et se consumer lentement. La combustion étant entretenue par les couvertures et le matelas jusqu'à l'entière disparition de la carcasse. Dehan pense que le feu va réduire cette dernière en cendres, mais sans jamais devenir assez violent pour endommager le reste de la pièce. Il a déjà fait l'expérience et ça a marché. On a un bon feu là. Le drap housse a pris feu. John Dehan est persuadé qu'une fois que les couvertures auront brûlé, le feu continuera de consumer lentement la carcasse et le pyjama. Jusqu'ici, tout va bien. C'est un feu très localisé. Mais au bout de 10 minutes, le feu ne se comporte plus comme prévu. Il y a plus de courant d'air sur le côté vers l'armoire que je pensais. Il va y avoir davantage de dommages collatéraux. De ce côté, la boîte de mouchoirs est intacte. Il ne se passe rien par là. Au bout de 15 minutes, le feu est incontrôlable. La température avoisine les 1000 degrés. Soudain, la pièce entière s'embrase. Un phénomène impressionnant, connu sous le nom de flashover. Voici une bien étrange situation. Les spécialistes en incendie en sont réduits à appeler les pompiers. La tentative de Dehan pour montrer comment la théorie de la bougie peut expliquer la combustion spontanée vient de partir en fumée. Mais sans le vouloir, il nous a peut-être expliqué pourquoi les CHS sont si rares. Si les conditions parfaites ne sont pas réunies pour l'effet bougie, toute la pièce part en fumée. Et personne ne se pose de questions sur la présence d'un cadavre carbonisé dans une pièce intacte. Mauvaise journée pour les sceptiques et l'occasion de se réjouir pour les autres. En Belgique, Larry Arnold et Marc Benecky sont sur le point de faire une découverte cruciale dans l'affaire d'Adèle. Dans un rapport du laboratoire qui a analysé les vêtements d'Adèle et le coquillage, Marc Benecky découvre un indice oublié. Il est écrit qu'ils ont trouvé de grandes quantités de sodium. Ça expliquerait tout. Le sodium est un métal alcalin mou qui réagit très violemment avec l'eau. En contact avec l'eau, le sodium produit une substance très agressive, l'hydroxyde de sodium. Cette réaction produit de la chaleur, et c'est cette chaleur qui a mis le feu aux vêtements. Le feu produit des étincelles. C'est peut-être ça que les témoins ont vu. Et il est très difficile à éteindre. C'est également ce qu'ils ont déclaré. À partir de là, il n'y a plus de raison de penser qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel. Voici ce qui s'est sans doute passé. Du sodium, en provenance des feux d'artifice, s'est retrouvé sur le coquillage qu'Adèle a mis dans sa poche. Quand elle a enfoncé un mouchoir mouillé dans la poche, le sodium a réagi. L'heure est venue pour Arnold et Benecky de présenter leurs conclusions à Adèle. Les tests indiquent qu'il s'agit de sodium. Si vous prenez du sodium et que vous le mettez en contact avec de l'eau, il produit de la chaleur. Peut-être suffisamment de chaleur pour brûler des objets. Nous pensons qu'il s'agit d'une combustion spontanée provoquée par un élément chimique. Il y avait de la chaleur, des étincelles, des substances synthétiques. Et c'est comme ça, je crois, que le feu a commencé. Donc pour l'instant, une combustion spontanée sans aucun doute. Une combustion humaine spontanée,
Ça restera, en général et en ce qui vous concerne, un mystère à résoudre. La vérité scientifique, c'est que personne n'a jamais vu un être humain, ou un animal d'ailleurs, s'enflammer spontanément et être réduit en cendres. Ce serait quelque chose d'assister à ça, pourvu que ce ne soit ni vous ni moi. Nos amis savent que s'ils nous voient partir en fumée, ils ont intérêt à attraper un appareil photo. Ce sera la seule preuve que nous laisserons à la science que ce phénomène existe bel et bien. Il y aura toujours autour de nous des événements qui échapperont à la raison. Des énigmes qu'un jour peut-être nous comprendrons, mais qui aujourd'hui restent insolubles. Classés pour des siècles encore dans les dossiers secrets du paranormal.